Dans la ligne droite de Val Thorens, premier circuit de la saison du Trophée Andros. On arrive sur un premier frein en appui, pas facile, freiner tard, essayer de balancer la voiture le plus tôt possible pour avoir les roues droites pour accélérer, très important pour la traction. Comme on peut voir, on n'a pas de levier de vitesse sur cette voiture 100% électrique, donc on peut freiner pied gauche. Épingle gauche au milieu du circuit, pareil, la balancer tôt, accélérer le plus droit possible. Une bonne traction, on arrive sur l'épingle du haut, une épingle à droite. Pareil, motricité importante pour la grande descente de Val Thorens. C'est là où on va prendre les plus grandes vitesses. Bon, il ne faut pas se fier aux vitesses affichées ici. Mais voilà, là ça arrive très vite, freiner le plus tard possible. On arrive dans le dernier virage, balancer la voiture et réaccélérer le plus à droite possible pour avoir une meilleure traction. Et on va arriver sur la ligne d'arrivée.